La guerre n'est que la continuité de la politique par d'autres moyens. Ce qui importe maintenant, c'est de savoir qui sera le vainqueur et qui sera le vaincu. La survivance d'une culture, et croyez-moi, je préfère voir survivre la culture américaine plutôt que la russe. Général! Colonel! Général! Oh, mon colonel! Général! Oh! Abruti est persuadé que la guerre est à nos portes, colonel! Code rouge. Contact Obama. Omaha. Doit y avoir une erreur. Ultimate One, ici Turk One. Est-ce que vous me recevez? Demande de confirmation du code rouge. Général, j'ai bien peur que si la guerre éclate, dans 2 minutes, il n'ait pas le temps matériel de rejoindre leur famille. Qu'ils restent ici. Ce n'est pas leur place ici, vous vous tenez à carreau. Enfin, si des bombes explosent, Général, ce sera plus leur place nulle part. Christine, bloquez tous mes appels et annulez tous mes rendez-vous. Que la base d'Oma et le Pentagone se tiennent prêts, je vais avoir besoin de leur sonquet. Oui, et dites à Joe de prévenir la presse et qu'il y ait urgence, mais pas de mal jusqu'à présent. Et à titre confidentiel, pas de fuite. S'il y a une fuite là-dessus, le journaliste et son journal sont enterrés. Monsieur le Président, je suis le Président américain des États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, Monsieur le Président. Comment allez-vous? Ça va, bof. Où ça, Koussi? Monsieur le Président, je vous appelle pour une affaire de la plus grande urgence. Alan? Jenny! Mon amour, écoute-moi! Toute cette histoire n'est qu'une erreur! Une erreur! Personne n'a confirmé l'attaque! Ce qui est confirmé, c'est que je vole actuellement au-dessus de New York! Prêt à larguer une bombe au moment où vous aurez détruit Moscou! Jenny! Nos enfants sont en dessous! Je t'en supplie, ne me laisse pas faire ça! La colonelle, c'est sûrement la chef de groupe, Jimmy. Eh ben oui, la colonelle, c'est qui? Oui, c'est qui? C'est ça, là. Qui? Mais non, pas qui, c'est qui? La colonelle, c'est qui? La colonelle, c'est la colonelle, hein, général. Oui, la colonelle, c'est qui? Mais oui, qui c'est? Eh ben non, c'est qui? Oui, c'est sûrement la chef de groupe, Jimmy. Eh ben oui, la colonelle, c'est qui? Mais oui, c'est qui? C'est ça! Qui? Mais non, pas qui! C'est qui? Ok, la colonelle, c'est qui? La colonelle, c'est la colonelle, général. Oui, la colonelle, c'est qui? Oui, qui c'est? Eh ben non, c'est qui? La colonelle, c'est sûrement la chef de groupe. Eh oui, la colonelle, c'est qui? Mais oui, c'est qui? C'est ça, là. Mais qui? Mais non, pas qui, qui? C'est qui, ok? La colonelle, c'est qui? Mais la colonelle, c'est la colonelle. Mais oui, la colonelle, c'est qui? Mais oui! Mais oui, qui c'est? Qui c'est? C'est la colonelle, c'est qui? La colonelle, c'est sûrement la chef de groupe. Mais oui, la colonelle, c'est qui? Eh oui! Oui, monsieur le Président. Commandez aux chasseurs de rattraper les toréadors. Oh, c'est lourd. Et si c'est nécessaire, de les abattre. Mais ce sera sûrement nécessaire, monsieur le Président. Je le sais, mettez en grande action. Colonel, ordonnez la chasse d'attaquer les Vindicators. Mais mon général, ils sont incapables de les rattraper. C'est l'ordre, colonel. Ils vont tomber dans l'océan Arctique, mon général. Ils seront morts de froid, mort qu'un parachute ne soit ouvert. Colonel, non pas discuter, transmettez l'ordre. À chaque seconde que vous perdez, les autres prennent de l'avance. Nous allons les tuer.